les amis, on est à l'intérieur du cinéma Gaumont-Pathé pour un événement spécial, l'avant-première de la série OBS, créée par Nixon Singer. On va bientôt rentrer dans la salle, je pense que quand on sera dans la salle, on n'aura plus le droit de filmer. Mais pour la petite histoire, OBS c'est une petite série, c'est une série qui va être diffusée sur Insta, sur IGTV. Donc là on est à l'avant-première, mais quand vous verrez cette vidéo, elle sera disponible, vous pourrez aller checker. Vous êtes en retard, monsieur. Désolé les copains. Comment ça va? Ça va et toi? Ouais. Bon, il est quand même arrivé. Ouais. Hey, il m'a tapé en caméra, hein. Je vais porter plainte. Tu peux porter plainte, non, c'est filmé. Non, mais il mérite, là, avec, ouais. Il arrive avec 25 minutes de retard. En tout cas, ça y est, on va entrer dans la salle. Profite parce que c'est pas tous les jours qu'on a le droit de filmer dans un cinéma. Ouais. Et c'est quand même blindé. Hein. Tom, quand t'es arrivé, c'était blindé. Ouais, là on me voit plus. Sauf quand je tourne. Bah ouais. Blague de merde. Alors, et ben voilà, la salle. Hein. Putain, c'est la dernière fois que je suis venu dans cette salle-là. Ça nous a fait louper la place du milieu, mais c'est pas grave, choisis la place. Ah, je suis désolé. Au pire, on va tomber. Ouais, au pire, ouais. Fais gaffe à pas tomber. Hein. Ouais. Toi, t'as décidé de te faire chier. Hein. Il va te sauter dessus. Ouais, je vais sauter au-dessus. Parcours. Ah bon, vas-y. Alors, dis-moi, est-ce que t'as pu te renseigner sur ce que ça allait raconter? Ouais, c'est une web série orléanaise qui sort le 22 novembre 2019. Non, ça sort ce soir. Enfin, c'est aujourd'hui. Qui sort aujourd'hui. C'est aujourd'hui, on a pris la première. Oui, mais aujourd'hui, le jour de la vidéo. Ouais, du coup, ouais. Pour nous, c'est aujourd'hui. Le jour de la sortie. Et pour vous aussi, c'est aujourd'hui. Avec la caméra, faut regarder. Faut être devant, un petit là. Hein. Moi, je peux ajouter un Insta sur Twitch et Vlog. Après, tout le monde qui m'entend, bonjour les gens. On va faire des photos après si vous voulez. Ah, mais oui, la gueule. Putain. Bon, moi je vais dormir, peut-être une sieste. Alors, le réalisateur qui est Nixon Singer, il va tout taper personnellement. Si et Nixon Singer, salut à toi. Tout le monde peut rentrer comme ça. Bah, je sais pas, moi je suis arrivé, je vous ai suivi, on est rentré en salle directement. Ouais, tu es avec deux stars. Bah, c'est ça. À la base, le film s'appelait Agression Orléans, mais ça voulait tout dire. Et du coup, le co-réalisateur m'a dit il faut qu'on parte sur quelque chose un peu plus. Plus de cogitation. Et on s'est rendu compte, en regardant le film plusieurs fois, que le film était vachement avec beaucoup d'observations. Du coup, on s'est dit on va mettre Ops
les gens peuvent un peu prendre un peu l'indication du titre, observation, obscur, un peu comme ils veulent. Quoi. D'accord, c'est ce qui t'a inspiré. C'est ça. Le cœur de la ville à Orléans, est très, c'est une ville qui est très jolie visuellement. Voilà, il y a du potentiel. Moi, j'avais envie de tourner avec un casting quasiment composé par Léanais, à part un. Je jouais de la guitare dans un couloir. Tu m'as dit, viens, on va faire un court-métrage. Et on s'est fait arrêter par la police. Et trois courts-métrages plus tard, on est là. Merci à vous. On se retrouve demain. C'est la fin de l'avant-première, c'était vachement intéressant. C'était assez surprenant de voir un film en format sur lequel je suis monté. C'est le film d'Anderson qui est juste à côté de moi. J'ai essayé de le toucher directement tout à l'heure, mais je suis super content, super satisfait du résultat final. N'hésitez pas à aller sur IGTV, PDS underscore original. Oui, sortir une production. Alors, tu travailles avec Nixon depuis quelques temps. Ouais, j'ai bossé avec lui sur un de mes courts-métrages que j'ai écrit moi-même. Ouais. Faut juste sortir, s'occuper de tout ce qui est réalisation. Ok. Yes. Ok, et t'en as pensé quoi du court-métrage ? Non, franchement, le court-métrage est vraiment propre. Ouais. En plus, le fait justement de faire référence à la ville d'Orléans. Ouais. Et voilà, de faire bosser justement les personnes d'Orléans aussi, ça fait super plaisir. D'accord. Parce qu'il y a énormément de potentiel dans cette ville-là. Ouais. Donc, si on peut l'exploiter au maximum, pourquoi pas. En termes de film, même le fait de lancer le concept smartphone, ouais. Avec le côté un peu vertical, c'est un délire. C'est surprenant. Super ouais. Ouais. Merci beaucoup. En tout cas, force à nous. Ouais, force à toi aussi. Où est-ce qu'on peut te suivre ? Où est-ce qu'on... Il y a une organisation qui s'appelle Noirland. Ouais. Et page Instagram Yasuke Kurosan. Ouais. Tu vois ton film, tout ça. Ça va, je pense, sur toi. Ouais. Je vais peut-être parler un petit peu.